Cher étudiant, salam alaikum. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essentiel du cours microbiologie alimentaire destiné aux étudiants de la troisième année licence technologie agroalimentaire et contrôle de qualité, ainsi qu'aux troisième année licence microbiologie. Dans cette grande deuxième partie, on va faire ce qu'il faut retenir des micro-organismes intéressant la microbiologie alimentaire présentée par moi-même, Madame Dahan. En commençant par des généralités, dans laquelle on peut dire que la charge microbienne normale de la plupart de nos aliments est de l'ordre généralement de 10 puissance 4 germes par gramme. Il y a aussi de multiples formes de bactéries qui peuvent se développer, par exemple au niveau d'un aliment préparé ou bien un plat préparé, on peut y avoir de multiples germes qui existent. On peut y avoir des germes qui sont intacts. On peut y avoir des germes qui sont détruits. C'est dû à quoi? C'est dû aux conditions nécessaires à la croissance de cet micro-organisme qui se développe au sein d'un aliment. Tout ça, il est lié bien sûr à l'aliment lui-même. Ça veut dire des facteurs soit intrinsèques, soit des facteurs extrinsèques. On peut connaître la composition, les conditions d'entreposage, traitement antimicrobien, par exemple, ajout de quelques agents antimicrobiens au niveau de l'aliment, qui défavorise le développement de certains micro-organismes d'altération. Alors que la survie des micro-organismes est liée à des conditions qui n'engendrent pas la mort, pas forcément la mort, mais elles ne permettent pas de la multiplication de ces germes. C'est dans les conditions, par exemple, du froid ou bien de la composition de l'aliment lui-même. Parmi les caractères généraux des grands groupes bactériens existants au niveau des aliments et qui peuvent aussi altérer l'aliment, nous avons la famille des entérobactéries, ou bien ce qu'on appelle entérobactériacées, qui se trouvent comme des parasites, ça veut dire mode de vie parasitaire. Parfois, ils sont pathogènes et parfois, ils sont commensaux chez l'homme et chez les animaux, comme elles peuvent être saprophytes dans le sol et dans les eaux. D'où vient la contamination de l'aliment. Ils sont très répandus dans la nature en raison de la contamination de l'environnement. Par quoi? Automatiquement par la matière fécale. Par la matière fécale, par exemple, par la matière fécale d'animaux, par les eaux d'égout, etc., etc. Donc, on peut dire que ce sont des contaminants de la famille des entérobactériacées, ce qu'on connaît par la présence des contaminants alimentaires qui sont très fréquents, tels que Escherichia coli, Salmonella, etc., etc., Shigella par exemple. Alors cette famille regroupe ou bien comprend des bacilles ou coccobacilles gram-négatifs asporulales ou bien non sporulants, aéro-anaérobies facultatifs, mobiles généralement par flagelles péritriches ou parfois, dans quelques cas très rares, ils sont immobiles, ils sont soit isolés, soit en paire. Ils ont tous un caractère chimio-organo-hétérotrophe, ça veut dire possèdent plusieurs sources de carbone et d'énergie, multiples sources de carbone et d'énergie, particulièrement des sources de nature organique. Elles croissent habituellement sur des milieux de base, là où il existe les sources de carbone, qui sont généralement des sucres. Le métabolisme respiratoire, parfois il est respiratoire, parfois il est fermentatif. Pourquoi? Parce que ce sont des aéro-anaérobies facultatifs. Généralement, la famille des entérobactéries regroupe des oxydases négatifs, catalases positifs, à l'exception de quelques souches qui se prolifèrent dans les aliments. Donc, nous avons, elles causent d'une part des intoxications qui sont à l'origine des intoxications, et d'autre part, elles causent aussi des infections, par exemple les infections intestinales, les infections urinaires et d'autres infections telles que les infections nosocomiales. Parmi les agents responsables des infections intestinales, nous avons Salmonella, Escherichia et Shigella, ainsi que Yersinia, avec les deux Yersinia enterolytica et Yersinia pseudotuberculosis. Pour les infections urinaires, majoritairement, ils sont causés par Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Serratia et Enterobacter. Pour les autres qui sont responsables de certaines infections abdominales, respiratoires ou autres infections ou autres maladies telles que la peste, c'est Yersinia pestis. Donc, de ce fait, on doit passer vers
les bactéries indicatrices. Ça veut dire que les bactéries qui sont responsables des intoxications, est-ce qu'il y a de déficience ou il n'y a pas de déficience? Dans ce cas-là, on peut dire que les bactéries indicatrices, c'est quoi une bactérie indicatrice? C'est une bactérie qui signifie le défaut d'hygiène lors du processus de fabrication. Par exemple, lors de la transformation d'un aliment quelconque, on peut y avoir une contamination fécale, parfois d'origine environnementale, ou bien une insuffisance de procédés de traitement. Bien sûr, lors des étapes de traitement, bien des étapes de traitement de l'aliment, lors de la fabrication. On aura aussi parfois un défaut d'hygiène du matériel et d'équipement utilisé. Par exemple, lorsqu'il s'agit de certains manques de contrôle de qualité, on peut y avoir aussi une contamination croisée, bien sûr, qui peut avoir plusieurs origines, soit l'origine de l'aliment lui-même, soit l'origine lors de leur transformation. Pour les produits prêts à consommer, on aura qui sont conservés sous réfrigération. Les entérobactéries généralement peuvent également signifier une conservation à des températures trop élevées ou bien pendant une longue période. Ça veut dire quoi? Si vous avez avec moi ici, le maximum de contamination, c'est 10 unités formant colonies par 100 millilitres, par exemple, lorsqu'on dit ils sont présents. Mais elles se développent au cours des étapes de fabrication. De ce fait, si on ne peut pas maîtriser ces étapes, donc on risquera d'avoir une contamination par la famille des Enterobactériacées, qui signifie une contamination qui signifie la longue durée de conservation ou bien une haute température de conservation. Autrement, on doit connaître sur la famille des Enterobactériacées la classification et l'identification que vous voyez avec moi sur le tableau suivant. Alors, cette classification en genre et en espèce, différenciée en genre et en espèce, différenciée par des tests biochimiques qui sont présents sur le tableau suivant. Par exemple, particulièrement le test INVIC représente l'indole, rouge de méthyle, le RM, le voc-proskauer, le VP, l'inositol et citrate. Citrate et inositol. Donc, ces caractères, c'est les tests les plus répandus pour la famille des entérobactériacées pour distinguer les différentes espèces et genres. Les tests aussi, nous avons d'autres tests supplémentaires qui peuvent faire la distinction entre les différents genres et espèces. Il s'agit de tests uréase. Voilà, il s'agit de tests uréase. Il s'agit de tests aussi de décarboxylase, ça veut dire LDC, ODC et ADH. Habituellement, généralement, lorsqu'on parle de Escherichia coli. Alors, pour Escherichia coli, elle est très connue parmi les espèces des entérobactéries. La voilà, Escherichia coli. Lorsqu'on parle de Escherichia coli, lorsqu'on parle aussi de Klebsiella pneumoniae, voilà, Klebsiella pneumoniae. Donc, je vais les colorer. Nous avons Escherichia coli et nous avons Klebsiella pneumoniae. Alors pour ces deux, on a aussi certaines souches de Citrobactères, par exemple Citrobactères fluendi, qui se caractérisent par la fermentation du lactose. Ça veut dire que ces trois souches sont lactose plus par rapport aux autres. D'accord? Ces trois souches sont très reconnues par lactose plus ainsi que entérobactères. Mais les autres souches ne fermentent pas le lactose, telles que Salmonella, Shigella, Afnia. Donc, la plupart d'entre eux, Yersinia, ne fermentent pas le lactose. Ça veut dire que la fermentation du lactose est un caractère d'identification de certaines souches des entérobactéries par rapport aux autres. Parmi les germes aussi, nous avons Enterobacter, Erwinia, Serratia, etc. Chacun d'eux possède un caractère qui est présent chez certains souches et absent chez d'autres. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, le test RMVP. Ce sont deux tests inversés. Si les voc-proskauer négatif, donc RM, il est positif. Et vice-versa. Par exemple, pour le RM, pour le VP, il est très développé. Bien, il est positif chez Enterobacter, Erwinia, Amylovora et chez Afnia ainsi que Klebsiella et pardon, Serratia. Par contre, il est négatif pour les mêmes souches.
Pour le test citrate, il est positif à variable pour la plupart des souches. Mannitol aussi. Nous avons le test primordial, c'est urease qui caractérise, voilà, urease qui caractérise Klebsiella. Il est positif pour Klebsiella. Et pour Proteus, okay? Ainsi que pour Yersinia. Ça veut dire on peut, à base de ces tests-là, on peut présenter un test clé qui représente un test de différenciation d'une souche par rapport aux autres souches, ou bien d'un genre par rapport aux autres genres. La lecture de ce tableau est primordiale, importante pour la microbiologie alimentaire, pour la caractérisation, l'identification d'une bactérie par rapport à une autre bactérie. Maintenant, on va y aller vers un autre groupe de la famille des entérobactéries qui représente le groupe le plus caractérisé, le plus recherché en microbiologie alimentaire. Il s'agit des coliformes. C'est quoi les coliformes? Les coliformes, c'est un groupe de bactéries appartenant à la famille des entérobactériacées. On appelle coliformes toutes bacilles, coccobacilles, gram-négatifs, non-sporulents, aéro-anaérobies facultatifs, capables de fermenter le lactose en 48 heures avec la formation de l'acide des gaz à 37 degrés Celsius. Le coliforme typique caractéristique, l'exemple idéal, c'est bien Escherichia coli. Mais il y a aussi d'autres coliformes tels que Citrobactères, Entérobactères et Klebsiella. En microbiologie alimentaire, les coliformes sont la flore indicatrice de la contamination fécale et un bon marqueur de la qualité hygiénique d'un aliment, bien la qualité hygiénique générale d'un aliment. Par exemple, au niveau de ce diapo-là, nous avons l'animal qui est à la source de la matière fécale, qui se développe au niveau de la litière et puis se transforme au niveau des mamelles de l'aliment. Donc ça, c'est les conditions environnementales qui favorisent le développement des coliformes. Et puis vers la machine de la traite, si elle est mal entretenue, on aura le transport vers le lait. Donc le lait sera contaminé par les coliformes. Par l'intermédiaire, bien sûr, de l'homme. Par la suite, on aura le transport vers le caillé et puis vers le fromage qui sera fabriqué par la suite. Parfois, si on rince avec de l'eau souillée, on aura aussi une voie de contamination qu'on appelle la voie de contamination, bien voie de développement indirect des coliformes fécaux ainsi que les coliformes totaux. Donc, nous avons plusieurs sources qu'on les appelle les contaminations ou bien les dispersions qui sont encadrées ici. Et nous avons le développement, c'est au niveau du lait, au niveau du caillé et au niveau du produit laitier formé, fromage ou yaourt ou autre, si le lait est mal traité ou bien maltraité lors de la préparation de cet aliment. Maintenant, on va commencer la famille des entérobactéries. Qui sont impliqués en contamination fécale ou bien responsables de certaines altérations des aliments. On va commencer par le genre Escherichia. Si on veut parler de Escherichia, elle est normalement omniprésente. Ici, par exemple, elle est omniprésente au niveau du tube digestif de l'homme. Ça veut dire c'est une flore normale, comme ça, du tube digestif de l'homme. Mais lorsqu'elle provient d'un aliment, elle devient pathogène. Ou bien elles causent des intoxications ou bien des diarrhées. Il existe plusieurs espèces de Escherichia, particulièrement Escherichia coli, qui est lactose plus gazogène et réalise une fermentation mixte. Elle produit de l'indole, c'est un hôte normal de l'intestin de l'homme. Voilà, elle est présente déjà au niveau de l'intestin grêle. C'est une flore commensale. C'est une flore normale de l'intestin de l'homme et des animaux. Elle est très abondante dans la matière fécale. Certains sérotypes peuvent être pathogènes et causent des troubles digestifs spécifiques et possèdent plusieurs toxines telles que les hémolysines, les cytotoxines, les entérotoxines, etc. De ce fait, on a plusieurs modes de transmission de Escherichia coli, tels que Escherichia coli responsable des gastro-entérites infantiles, ou bien ce qu'on appelle GEI. Qui se développe par des diarrhées, des vomissements, des céphalées, des fièvres chez les enfants. Certains biotypes, bien certaines souches de Escherichia coli sont rencontrées au niveau des infections urinaires. On les appelle ECUP, ça veut dire les E. coli uropathogènes.
On a aussi des produits d'origine animale, tels que le cas présent ici. Les viandes, au niveau des viandes, au niveau des produits laitiers, on peut y avoir le développement de Escherichia coli au niveau de viande, au niveau de produits laitiers. Parfois, on peut les trouver au niveau de l'eau aussi, l'eau de boisson, qui sont incriminées dans la contamination par Escherichia coli. Ça veut dire si l'eau est souillée par Escherichia coli, on risquera de le transmettre avec toute eau qui sera en contact avec tout aliment qui sera en contact avec cette eau. Les infections sont les plus souvent causées par la consommation soit de viande, d'accord, viande par exemple, viande de bœuf contaminée lors de l'abattage ou bien ce qu'on appelle la contamination de carcasse qui est insuffisamment cuit, donc lorsqu'il est préparé pour les hamburgers ou autres, il est insuffisamment cuit, donc il sera transmis par l'alimentation à un pourcentage de 66% pour l'être humain. Mais ils peuvent également dû à l'utilisation de l'eau de boisson, d'accord, et parfois du lait cru, ou bien parfois de certains fromages frais qui sont préparés avec du lait cru. On peut y avoir des contaminations pour l'homme au niveau des fruits et légumes, etc., etc. Cette contamination, bien sûr, elle provient de la contamination des eaux d'irrigation ou bien de fumier qui a été préparé lors de la culture de ces végétaux. Ou bien la contamination par la contamination de la mamelle qu'on a expliqué préalablement sur la transmission directe ou bien on aura la transmission directe de l'homme, de l'animal, pardon, vers l'homme. C'est une transmission qui regroupe à 2%. Maintenant, le deuxième genre de la famille des entérobactéries et qui est très répandu dans les intoxications alimentaires, il s'agit de Salmonella. Bien Salmonella, appartient à la famille des entérobactériacées. Habituellement, elles sont mobiles par ciliature. Leur réaction typique est INVIC, INVIC moins plus, moins plus. Ça veut dire, elles sont glucose, généralement, elles sont glucose plus avec formation de gaz à 37 degrés Celsius. Généralement, ce sont des lactoses moins, H2S plus, urease moins, lysine et ornithine décarboxylase plus, ça veut dire LDC, ODC positif. Les salmonelles peuvent croître sur des milieux de base, par exemple le milieu McConkey, d'accord? Sur le milieu McConkey, les milieux spécifiques des grammes négatifs qui favorisent le développement des grammes négatifs. Salmonelles généralement sont pathogènes pour l'homme et les animaux. Elles s'identifient selon leur sérotypage. Par exemple, nous avons allemand, Salmonella typhi A, Salmonella typhi B, Salmonella paratyphi, etc., etc. Les salmonelles, la classification de salmonelles, généralement, c'est la classification de Kaufman-White qui répertorie environ 2000 sérotypes de salmonelles. Chacun d'eux est défini par ses antigènes somatiques O et antigènes flagellaires H qu'on a expliqué auparavant. Bien sûr, pour les salmonelles, nous avons des salmonelles qui provoquent la fièvre typhoïde et d'autres salmonelles qui ne provoquent pas la fièvre typhoïde. Elles sont généralement, elles vivent au niveau des animaux, chez les chiens par exemple, les canaris, les vaches, etc. Elles peuvent être transmises chez l'homme dans des conditions défavorables de préparation des aliments, au niveau des aliments mal cuits, au niveau de certaines températures bien trop élevée, trop bien, trop basse, bien un changement brusque de température, et au niveau de l'eau souillée, lorsqu'on rince avec de l'eau souillée. La contamination des produits, généralement des produits alimentaires par salmonelle, peut être origine animale lorsque l'animal est malade, pardon, ou elle provient d'un manipulateur malade ou porteur sain de germes. On peut trouver aussi Salmonella toujours dans des produits d'origine animale, d'accord? On a des produits d'origine animale ou bien des produits d'origine végétale, comme vous voyez ici, une contamination initialement des végétaux, soit par des porteurs sains ou bien par des porteurs malades. On peut le trouver au niveau de bétail, au niveau de viande, au niveau des œufs, au niveau des fromages, ça veut dire au niveau de produits d'origine animale. On peut le trouver aussi la transmission par l'homme ou bien par l'eau lui-même, l'eau polluée ou bien lorsqu'il est consommé cru. Ou bien lorsque les produits, pardon, c'est pas l'eau polluée, ou bien les produits qui sont consommés crus, par les salmonelles qui produisent deux types de toxines, qui sont les entérotoxines et les cytotoxines.
Nous avons exemple Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A et B et C qui peuvent provoquer des maladies infectieuses au cours du temps. Respectivement, il s'agit de la fièvre typhoïde et la fièvre paratyphoïde. L'incubation, bien sûr, la dose infestante qu'on doit la signaler, c'est de 10 puissance 5. Une incubation entre 5 à 45 jours, parfois elle se multiplie moins que ça, ça veut dire entre 1 à 25 jours. Généralement, elle est à 15 jours. Les germes, elles peuvent vivre d'une température entre 5 à 70 degrés Celsius, ça veut dire température importante, et elles peuvent être détruites au-delà de 70 degrés Celsius pendant 20 secondes. Alors, la maladie qui se déclenche au niveau de tube digestif, des symptômes, elle peut donner des symptômes digestifs tels que les vomissements, les diarrhées, les douleurs abdominales. Avant d'entrer dans une phase de septicémie lymphatique avec une fièvre de tempeur, bien on l'appelle typhus. Cette action est due à l'action, bien sûr, au niveau cérébral par la fixation, ce qu'on appelle des endotoxines neurotrophes, les LPS. Donc le temps d'incubation varie entre 10 à 24 heures avec l'apparition de fièvre, vomissement, diarrhée, bien forte fièvre. C'est pour ça qu'elle cause la fièvre typhoïde. Les milieux généralement de développement de la famille des entérobactériacées en général, ce sont les milieux glycosés biliés au cristal violet et au rouge neutre qu'on appelle abrégé VRBG ou bien VRBGA. On a aussi le milieu lactosé pourpre au pourpre de bromocrézol, qui est un indicateur de pH. En même temps, ils réduisent avec la production de l'acide au-delà de la fermentation des glucides. C'est le milieu BCP, ou bien parfois BCPL lorsqu'il est lactosé. Nous avons le milieu McConkey qui est très répandu dans le développement de la famille des entérobactériacées ou bien des grammes négatifs en général. Ça, c'est concernant les entérobactéries. Maintenant, on passera vers le deuxième grand groupe bactérien qui se développe et qui est omniprésent dans la nature. Il s'agit des pseudomonadacées ou bien pseudomonacées avec l'ordre pseudomonadal. Il s'agit d'un grand groupe de la même classe, c'est la classe toujours gamma proteobacteria. C'est un groupe très hétérogène, de nombreuses bactéries gram-négatives. C'est une flore banale représentée par le genre pseudomonas. Donc, dans cette figure-là, vous avez une quantité de sol. Là, on peut trouver plusieurs pseudomonas qui sont des courtes bacilles grammes négatifs. Ces bactéries sont très répandues dans la nature, particulièrement dans le monde végétal. Généralement, elles se révèlent par la phytopathogène. Elles sont phytopathogènes. Elles contaminent des produits alimentaires qu'elles les engendrent. Elles peuvent les dégrader, par exemple les viandes, la couleur bleuâtre, la mauvaise odeur, c'est bien sûr dû à la dégradation importante des produits alimentaires par Salmonella. Elles peuvent aussi former des biofilms au niveau des robinets, au niveau au niveau à l'intérieur des robinets ou bien au niveau des filtres des robinets. Elles se développent sur les boîtes pétri milieu géant, par exemple sous forme de colonies de couleur bleuâtre, bien verdâtre, selon la production de pyocyanine ou bien de pyoverdi. Ces bactéries appartiennent au Xanthomonas photobacterium qui se développe au niveau des feuilles, Flavobacterium qui est fluorescent, Agrobacterium et Pseudomonas. D'accord? Agrobacterium, voilà, c'est photo et électronique. Agrobacterium photo, c'est à partir du microscope photonique. Et nous avons les pseudomonas. Alors, les pseudomonas, ici, c'est l'exemple des pseudomonas fluorescents qui est souvent rencontré comme agent d'altération de végétaux, comme pseudomonas syringae, pseudomonas cepacia. Ces germes sont dotés en grande quantité ou bien encore une grande activité protéolytique et lipolytique et qui peuvent dégrader des substrats très variés, ça veut dire des protéines et des lipides. Lorsqu'on peut donner la définition et le développement sur les milieux de culture, il s'agit du milieu de culture King A et King B, typiques aux pseudomonas. Il s'agit des bacilles, les pseudomonas, il s'agit des bacilles ou cocobacilles asporulales, souvent mobiles, oxydase plus.
Parfois, fermentation, bien sûr, oxydase plus, au contraire de la famille des entérobactéries qui sont oxydase moins, avec la fermentation négative aux opposés des entérobactéries qui sont fermentation positive, oxydase positif, elles se multiplient en général sur les milieux ordinaires, GNO, la gélose nutritive ordinaire, et ce sont des mésophiles ou psychrophiles, ça veut dire qu'elles peuvent se développer au niveau de nos réfrigérateurs. Les colonies sont fréquemment pigmentées, soit en vert, soit en bleu, pyocyanine ou bien pyoverdine, selon le métabolite sécrété par les pseudos. Les colonies sont fréquemment pigmentées. La plupart des germes appartiennent à la famille des pseudomonadacées, de la classe gamma-protéobactéria du phylum Proteobacteria. Le milieu King A, qui représente plusieurs sources de carbone et d'azote, des sources de carbone et des sources minérales, elles peuvent se développer au niveau chez les végétaux ou bien au niveau des aliments. Bien sûr, les sources nutritionnelles, en plus les peptones et le glycérol. Alors, les pseudomonas se caractérisent par la production de deux types de pigments, soit pyocyanine, soit pyoverdine. Les pigments bleus, on les appelle pyocyanine. Les pigments verts, on les appelle pyoverdine. Sur le milieu King A, lorsqu'il est incolore et King B de couleur verte, il s'agit de la production de pyoverdine uniquement. Si les deux sont pigmentés, le premier pigmenté en bleu, le deuxième pigmenté en vert, ça veut dire qu'il y aura la production de pyocyanine et pyoverdine, qui sont des métabolites secondaires bactériens sécrétés par les pseudomonas. On les appelle autrement les responsables des qu'on les appelle les responsables pardon on les appelle aussi les responsables des chélates ou bien les chélateurs de fer. Les bactéries du genre pseudomonas, comme on a vu pour les entérobactéries, nous avons aussi pour les pseudomonas qui correspondent à des grammes positifs. À des bacilles gram négatifs aérobies strictes, le contraire des anaérobies facultatifs pour la famille des entérobactériacées. Si on veut bien sûr caractériser les pseudomonas, les xanthomonas par rapport aux Erinia et Serratia, par rapport aux Vibrio, qui sont tous des gram négatifs. Les pseudomonas, bien sûr, elles se caractérisent par d'autres caractères typiques. Elles ne sont pas assez développées ou bien ne sont pas assez fermentatives. Ça veut dire, vous voyez avec moi, la plupart des fermentations sont variables à négatif. Ça veut dire, les seules, bien sûr, c'est la présence elles se caractérisent par la présence de flagelles. Ça veut dire, il n'y a pas assez de caractérisation biochimique qui s'effectue pour les pseudomonas. Généralement, elles sont mobiles grâce à la ciliature, bien grâce au positionnement polaire monotriche ou bien multitriche. Elles ont un métabolisme oxydatif avec catalase et oxydase positif. Comme vous voyez avec moi sur le tableau suivant, elles sont catalase et oxydase positif. Pour les autres souches, elles se cultivent facilement sur le milieu usuel, ça veut dire le GN, gélose nutritive ordinaire, à une température entre 4 à 41 degrés Celsius. Il existe au moins une soixantaine d'espèces différentes pour les pseudomonas. Ces espèces sont responsables généralement des infections opportunistes servant chez les maladies immunodéprimées ou fragilisées, avec une virulence toute particulière de Pseudomonas aeruginosa responsable de nombreuses infections nosocomiales. Ainsi qu'on a les espèces fréquemment les plus rencontrées au niveau de nos réfrigérateurs. Les plus rencontrés chez l'homme, c'est Pseudomonas aeruginosa, c'est Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, qui sont que leur présence au niveau de la chaîne d'abattage et en particulier au niveau de la chambre froide constitue une source pertinente, bien permanente, de contamination des viandes. Par exemple, cette couleur bleuâtre, verdâtre, donc elle est due à la présence, une contamination des viandes par les Pseudomonas. Pseudomonas, généralement, elle est principalement utilisée comme un indicateur d'altération des viandes fraîches et du lait. Elle se développe au niveau de nos réfrigérateurs lorsqu'ils sont chargés de multiples variations d'aliments. Après avoir connaître les pseudomonas, maintenant le troisième grand groupe bactérien intéressant la microbiologie alimentaire, il s'agit des bactéries acétiques.
Mais ces bactéries, ce ne sont pas une flore d'altération ou bien une flore contaminante. Par contre, c'est une flore qui est très développée, très utilisée dans la transformation des produits alimentaires. Alors, les bactéries acétiques, il s'agit des bactéries qui appartiennent au genre acétobactères et gluconobactères, qui sont inclus à la famille des acétobactériacées. Cette famille, bien ce groupe, il s'agit des bactéries, des bacilles, pardon, gram négatif toujours, provenant de former et peuvent former des chaînes, et comme elles peuvent se présenter sous forme de amas, d'accord, en chaîne. Donc, elles peuvent avoir des formes, des polymorphes qui peuvent apparaître soit allongées, soit sphériques, renflées vers les extrémités, soit elle est courbée, soit courbée par exemple ici, soit elle est filamenteuse dans certains cas. Ce sont des mobiles par flagelles péritriches. Alors, ce sont des mobiles par flagelles péritriches. Elle peut contenir de 1 à plusieurs à 8 flagelles, soit polaires, soit non polaires, comme elles peuvent avoir des souches qui sont immobiles. Ce sont des catalases positifs, oxydases négatifs, avec un pH optimum entre 5 à 6, parce que ce sont des bactéries qui sont impliquées dans la fermentation acétique. C'est pour ça que le pH est plus ou moins acide. Ces bactéries oxydent l'éthanol ou bien les alcools en acétate, d'accord, ou bien ce qu'on appelle acide acétique. Ce sont des agents de la fermentation acétique. Leur caractéristique principale est la production de l'acide acétique, de l'alcool en acide acétique, ou bien à partir de la fermentation alcoolique, on aura la fermentation acétique lors du processus de la préparation du vinaigre. Donc, ce sont des souches primordiales de rendre le vinaigre halal. Ça veut dire la dégradation complète des alcools, bien de l'éthanol. Ces bactéries acétiques sont strictement aérobies, d'accord, parce que ce sont des bactéries responsables de la production d'acide acétique, bien la production de la fermentation de l'acide acétique pour la production du vinaigre. Il y a l'exemple aussi, bon, ce sont des aérobies stricts. Ont la particularité, comme les gluconobactères, d'oxyder complètement les donneurs organiques d'électrons en CO2 et en eau. Ça veut dire une dégradation complète de la matière organique. Elles utilisent aussi l'éthanol et le transforment bien l'éthanol comme un donneur d'électrons et l'oxyde en acide acétique, ce qui les caractérise. Voilà, l'éthanol en bien l'alcool en acide acétique. Elles utilisent donc, ou bien elles excrètent dans le milieu. Elles sont fréquemment très tolérantes de l'acidité, le pH entre 5 à 6. Elle peut atteindre jusqu'au pH de 4,5. Leur demande en oxygène pendant la croissance est très élevée. Pourquoi? Elle nécessite beaucoup d'aération, qui cause un problème de production du vinaigre lorsqu'il est normalement, il doit être aéré. On doit aérer le milieu après l'inoculation de acétobactères. Le vinaigre résulte généralement de la conversion de l'éthanol en acide acétique par les bactéries acétiques. Généralement, pour la production, bon, c'est l'inconvénient de la production après la fermentation alcoolique par les Saccharomyces cerevisiae ou bien par les levures généralement, pour la production majoritaire de l'éthanol. L'éthanol doit être transformé entièrement pour donner du vinaigre. Donc, on peut dire que les principaux germes qui sont impliqués comme bactéries acétiques pour la fermentation de acétique, il s'agit de acétobactères et gluconobactères. Généralement, ce sont des bactéries qui sont impliquées dans la fabrication des aliments, comme par exemple l'intervention des bactéries lactiques pour la fermentation lactique, pour la production des arômes, lors de la panification, production de pain, de yaourt, de produits carnés, etc. L'arôme pour la production de fromage, de pain, etc. Pour les bifidobactériums, la fermentation acétique et lactique pour le lait fermenté. Les collinibactériums, par exemple, qui donnent de l'arôme au fromage. Les micrococcacées, aussi des arômes au fromage et produits carnés. Les propionibactéries pour la fermentation propionique pour les fromages pâtes cuites et percées. Pressé, pardon. Et nous avons les bactéries acétiques qui sont impliquées dans la fermentation acétique lors de la production de vinaigre. Le quatrième grand groupe bactérien intervenant en microbiologie alimentaire, mais malheureusement qui cause des maladies, il s'agit des vibrios.
Lorsqu'on dit choléra, automatiquement, il s'agit des vibrions. Les vibrions, ce groupe renferme des bactéries ayant des formes bacilles incurvées ou bien en virgule. D'accord, Vibrio cholerae par exemple. Les principaux genres sont Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas et Campylobacter. Vibrio, ce genre, bien sûr, en commençant par le genre Vibrio, regroupe des espèces saprophytes des eaux et quelques espèces qui sont pathogènes, qui sont transmises par l'eau, ça veut dire elles causent des MTH, les maladies à transmission hydrique, et ainsi que les produits qui sont en contact avec de l'eau peuvent être souillés par, bien contaminés par les Vibrio. Ce sont des bactéries gram-négatives toujours, incurvées en virgule, catalase positif, oxydase positif, aéro-anaérobie facultatif, asporulales, très mobiles. Leurs colonies sont lisses, brillantes et translucides au niveau des boîtes pétries. La température optimum de croissance est entre 20 à 30 degrés Celsius. Pourquoi? Généralement, pour la plupart des germes, pour les saprophytes, entre 20 à 30 degrés Celsius. Par contre, pour les pathogènes, c'est 37 degrés Celsius. Elles se développent dans des milieux alcalins, pH 7 à 9. Parmi ces espèces les plus pathogènes, nous avons Vibrio cholerae. Vibrio cholerae se développent chez l'homme et peuvent causer la mort de 1,3 à 4 milliards de cas par an dans le monde, dont 21 000 à 143 000 morts par an. Ça veut dire que c'est un chiffre énorme, comparable par rapport à vivre, par rapport au Covid. Donc, c'est un chiffre énorme. Hein? Donc, le cycle de vie, comme vous voyez avec moi, nous avons premièrement l'apparition naturelle de Vibrio cholerae dans les milieux aquatiques, les zones humides, l'eau stagnante, qui se développe au niveau des polluants organiques, des déchets humains et animaux, etc., avec le déclenchement de la prolifération, puis les modifications du système d'assainissement à grand risque. On aura par la suite la pénétration au niveau de tubes digestifs de l'homme, qui se développe sous forme des infections avec une période d'incubation entre 2 heures à 5 jours. La toxine se déclenche au niveau des intestins et absorbe l'eau. Ça veut dire qu'on aura une déshydratation énorme et rapide. 20% des personnes sont touchées sont des victimes de diarrhée liquide et une déshydratation du corps. Elles peuvent tuer en quelques heures si elle est non traitée. Ensuite, nous avons l'évacuation par la matière fécale qui peuvent rester contagieuses jusqu'à 14 jours. Ça veut dire que le risque est vraiment très développé. Elle donne ce qu'on appelle choléra, qui est les déplacements de population vers les camps surpeuplés augmentent le risque de cette épidémie. Avec ce cycle de développement ferme, on peut y avoir une contamination énorme, une épidémie de choléra qui peut se développer rapidement d'une personne à l'autre. Maintenant, l'espèce le plus répandue, l'agent causal de choléra, qui s'appelle Vibrio cholerae, constitue le biotype. Il s'agit de Vibrio cholerae L-TOR, sérotype, on l'appelle S-sérovare. Ces germes contaminent l'eau et les coquillages et les différents types de poissons, divers poissons consommés crus, le lait, les légumes, par exemple pardon. Nous avons les légumes, le lait, les produits de mer, etc., etc. Le choléra est un type de toxi-infection intestinale qui se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la sécrétion des toxines à l'intérieur de l'intestin. Une toxi-infection intestinale, elle ne se manifeste pas par des douleurs abdominales, pas par des douleurs abdominales, pardon. Et des vomissements, mais par des intenses diarrhées qui conduisent à une déshydratation sévère. La dose infectante est de 10 puissance 5 à 10 puissance 7 germes. L'hygiène rigoureuse de la production et de la conservation des produits de mer est fréquemment indispensable pour éviter la prolifération de ce germe au niveau des aliments. Une autre espèce qui s'appelle Vibrio. Parahemolyticus, qui sont des vibrios marins halophiles, qui conduisent à une intoxication alimentaire. Le délai d'incubation, c'est entre 6 heures à 20 heures. La symptomatologie est analogue à celle des salmonelloses, ça veut dire des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des diarrhées, et fréquemment, nous avons des fièvres.
On a cru initialement que son pouvoir pathogène était lié à l'adhérence aux cellules de la muqueuse intestinale, mais la confirmation n'a pas été réalisée. Donc, le milieu de culture ici, si vous voyez avec moi, nous avons le milieu de culture TCBS agar, TCBS agar plates, ça veut dire la gélose TCBS, ou bien chroma agar. Chroma agar, aussi nous avons les chroma agar. Là, on peut y avoir le développement des colonies de vibrio, de couleurs, par exemple ici vertes, ou bien on peut y avoir des couleurs rouges. Nous avons l'identification au niveau de TCBS, particulièrement l'identification de Vibrio parahémolyticus. Le cinquième grand groupe bactérien intervenant en microbiologie alimentaire et qui cause aussi des maladies et intoxications et des zoonoses, il s'agit de Brucella. Brucella appartient à la classe alpha-proteobacteria, l'ordre rhizobial, la famille Brucellaceae. Ce sont des germes gram négatifs. La forme est coccobacille généralement. Elles sont immobiles. Elles causent des maladies brucelloses comme la fièvre de Malte. Elles sont non sporulées. Elles ne forment pas de flagelles. Ce sont des bactéries aérobies telles que le pseudo. Ce sont des catalases positifs, oxydases positifs, uréases variables. Certaines souches se développent dans un milieu où l'atmosphère est riche entre 5 à 10% de CO2. La température optimale de croissance est de 34 degrés Celsius. Elles peuvent tolérer des températures aussi entre 20 à 40 degrés Celsius sur des milieux adéquats. Les Brucellas habituellement sont cultivées à 37 degrés Celsius. Le pH exigé varie entre 6,6 jusqu'à 7,4. Et le pH optimal est de 6,8. Elle a une période d'incubation d'une à 3 semaines, ça veut dire au-delà de 3 jours jusqu'à 60 jours. Les symptômes, il s'agit de fièvre, de brucella, brucellose, entre 80 à 100% de cas avec des symptômes. L'épidémiologie, bien sûr, au niveau de l'Amérique latine, au niveau de méditerranéen, au niveau de l'Europe, en Asie, c'est un peu partout. Donc, nous avons le développement des cas entre 70 cas par 100 000 populations par an. Elles sont aussi très, très, très développées dans les endroits là où il y a la consommation du lait cru. Les Brucella, pardon, SP, constituent un groupe de bactéries très important qui est transmis par l'aliment. Généralement, nous avons Brucella mulitensis, qui se développe chez l'homme, Brucella mélitensis qui se développe chez l'homme, qui est pathogène pour l'homme et qui détermine une fièvre qu'on appelle la fièvre de Malte. C'est une maladie très importante. Pourquoi? Parce que de son aspect zoonotique, ça veut dire elle se développe en premier lieu chez l'animal et puis elle se transforme vers l'homme. Généralement, Brucella mélitensis, elle se développe chez les bovins pardon, et les caprins, goats and sheep, ovins et caprins. Par contre, chez les bovins, nous avons autre espèce qui s'appelle Brucella abortus. Pour les porcs, Brucella suisse. Pour les chiens, les chiens, pardon, c'est Brucella canis. Donc, chaque animal, c'est pour ça qu'elle a un aspect zoonotique. Chaque animal héberge une espèce qui est différente à l'autre espèce, mais l'espèce qui est transformée chez l'homme, c'est malheureusement Brucella mélitensis. Elle appartient à ceux-là à des maladies prioritaires de l'Office international d'épizootie. Pourquoi? Parce qu'elle provient de l'animal et se transforme vers l'homme par la consommation du lait cru lorsque l'animal atteint la brucellose par Brucella mélitensis. Les aliments infectants, bien sûr, les plus couramment utilisés, il s'agit du lait de brebis, lait de chèvre et les fromages dérivés lorsqu'ils sont crus. Nous avons les Brucella abortis, elle est moins pathogène qui provient des bovins, elle est moins pathogène par rapport à l'homme parce qu'elle est véhiculée par le lait de vache, mais elle est très rare présente chez l'homme. On a les autres réservoirs, il s'agit des animaux qui sont infectés, comme les chevaux, comme les autres animaux. Chaque animal a une infection d'une autre espèce de Brucella.
On peut dire que qu'il n'existait pas de brucellose humaine en absence de brucellose animale. Ça veut dire l'origine des brucelloses, c'est bien la brucellose animale. Les brucelloses humaines toujours surviennent aux professions exposées, telles que les vétérinaires, les éleveurs, les employés des abattoirs, les personnes de laboratoire, les personnels de laboratoire, etc. Alors, la contamination peut être effectuée d'une façon directe ou indirecte avec les animaux ou leurs produits, ça veut dire par voie cutano-muqueuse, soit des infections, parfois des ingestions d'aliments qui sont contaminés par les produits laitiers, qui causent aussi les brucelloses qui sont transmises de l'animal vers l'homme. Enfin, pour les brucellas, la brucella, bien sûr, résiste en milieu mieux connu que la plupart des autres bactéries pathogènes non sporulantes. Pourquoi? L'inactivation, elle se développe au niveau des milieux naturels. Lorsque les conditions de pH est supérieure à 4, la température et l'ensoleillement sont favorables pour le développement de cette bactérie et la persistance plusieurs mois dans l'eau, dans le développement, pardon, dans l'eau, dans le développement. Elle se développe aussi dans les enveloppes fœtales. Elle peut provoquer par exemple des avortements chez les bovins. Elle se développe au niveau des laines, du foin, au niveau de matériel et des vêtements. Les brucellas résistent à la dessiccation, ça veut dire les milieux riches aussi en protéines, en poussière, en sol, elles résistent. Elles survivent dans des basses températures, notamment dans la congélation. Pourquoi? Parce que ce sont des thermolabiles. La pasteurisation convenable du lait et des crèmes de lait, c'est demandé pour se débarrasser de brucella, ainsi que la fabrication de fromage à partir du lait pasteurisé, c'est parmi les mesures de prévention pour éviter la transmission de brucella de l'animal vers l'homme ou bien de produits animaux vers l'homme. Jusque-là, on a terminé avec la première partie, grande partie. On aura aussi une deuxième partie qui regroupe d'autres micro-organismes intervenant en microbiologie alimentaire.